liberté, égalité, révolution et république, égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con. Bonjour. 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 Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent, ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste, plus solidaire. Vous voulez réagir? Voici notre mail. Parole des citoyens au singulier, @fréquence7.net. Aujourd'hui, le titre de notre mission, Citoyens, vote et démocratie. Marie-Claude revient sur les réflexions et revendications portées par les Gilets jaunes pour une nouvelle démocratie. Dominique nous parlera sous le contrôle citoyen des élections. Nous terminerons notre émission par les luttes en cours et celles à venir. Cette période d'élection est une occasion pour nous, citoyens, de penser et repenser démocratie. Nous laissons la parole à Dominique pour introduire le sujet « Gilets jaunes et démocratie ». Oui, il faut rebondir sur ton introduction. Des élections se profilent, je crois que vous commencez à être au courant. On en sort à peine qu'on rentre dans des nouvelles. Et c'est l'occasion pour nous de parler du rapport entre ces élections et les citoyens. Depuis des décennies, l'abstention augmente, attribuée par les commentateurs à la pêche à la ligne d'abord, puis un désintérêt global pour la politique, entre guillemets. Le mouvement des Gilets jaunes a révélé à ceux qui n'avaient pas compris qu'il s'agissait en fait d'une exigence de démocratie déçue. Le non-respect des votes depuis le référendum sur l'Europe en 2005, les élus ne respectant pas leurs promesses, les programmes, ainsi que toutes les affaires qui ont débouché sur le qualificatif de tous pourris dans de nombreuses bouches. Et ils se sont attelés au sujet, ou dans le cadre de leur mouvement, et Marie-Claude, tu peux nous en parler peut-être? Oui, donc les Gilets jaunes n'ont pas fait que demander en fait la baisse des taxes sur les carburants. Leurs réflexions les ont conduits à une remise en cause de la démocratie, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui et surtout depuis le quinquennat Macron. Les Gilets jaunes ont impulsé de nouveaux types de consultations populaires, parfois réfléchies lors des assemblées générales, parfois pensées et revendiquées lors des manifestations. Ils ont été les premiers à remettre au goût du jour les cahiers de doléances. L'idée est d'ailleurs reprise par l'Association des maires ruraux de France en décembre 2018 et janvier 2019. Même le gouvernement met des cahiers d'expression libre en mairie entre janvier et mars 2019 qui seront ignorés par la suite car à coup sûr, les doléances ressemblaient de trop près aux revendications des Gilets jaunes, notamment le rétablissement de l'impôt sur la fortune, l'ISF. Les Gilets jaunes ont fait une liste de 42 revendications. La demande principale était le RIC. La réflexion du départ était l'idée qu'il faudrait fonctionner, par exemple, avec des référendums populaires. Pour cela, ils ont élaboré l'hypothèse qu'on pourrait envisager la création d'un site lisible et efficace, encadré par un organisme indépendant de contrôle où les gens pourraient faire une proposition de loi. Si cette proposition de loi obtient 700 000 signatures, alors cette proposition de loi devra être discutée, complétée, amendée par l'Assemblée nationale qui aura l'obligation un an jour pour jour, après l'obtention des 700 000 signatures, de la soumettre au vote de l'intégralité des Français. Puis, de là, on en est tout simplement arrivé à la notion de RIC. Lors de l'acte 5 du samedi 15 décembre 2018, des pancartes fleurissent lors des manifestations. Les Gilets jaunes demandent le référendum d'initiative citoyenne. Quatre sortes de référendum, ou plutôt un référendum en quatre parties. Le référendum d'initiative citoyenne abrogatoire, il permet au peuple de faire annuler une loi. Le RIC, révocatoire, qui permet au peuple de renvoyer n'importe quel responsable politique élu. Le RIC législatif, celui-ci permet de proposer une loi par référendum. Ensuite, le référendum d'initiative citoyenne, constituant, il permettrait au peuple de modifier la Constitution.
Je signale au passage qu'il existe déjà un référendum d'initiative partagée, le RIP. Il doit être lancé conjointement par au moins 185 parlementaires et 4,5 millions d'habitants. Je crois que ce dernier chiffre avait été ramené à 1,5 million. Je crois qu'il a peu servi aussi. Hein. Je crois que le RIP a peu servi. Pas du tout. Une fois. Oui. Sans m'étendre sur la question par manque de temps, un des arguments principaux qui avait été développé par les Gilets jaunes était de vouloir favoriser la démocratie participative. Ils ont ainsi repensé également les modes de scrutin. Un exemple, la théorie d'un scrutin proportionnel pour les élections législatives. Un système où le nombre de sièges à pourvoir est partagé en fonction du nombre de voix recueillies. Mais d'autres modes avaient été aussi explorés et discutés sur les ronds-points. Notamment que les votes blancs et les abstentions soient pris en compte pour les résultats des votes. Merci Marie-Claude. Donc Dominique, tu vas nous parler sous le contrôle citoyen des élections. Ben oui, parce que pour l'instant, toutes les belles réflexions sur la démocratie et d'autres choses, ben, c'est pas en place, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, on a donc des élections sous leur forme habituelle qui se profilent devant nous. On entend beaucoup de personnes, alors lors de discussions, mais aussi sur les réseaux sociaux, dire que les élections sont trafiquées, sont truquées, qu'il y a de la triche et que donc, c'est même pas la peine d'aller voter. Ça, c'est des choses qui sont... en ce moment, qui fleurissent quand même beaucoup chez les gens, lorsqu'on discute avec eux, voilà. Certains ont beau jeu, évidemment, de qualifier ce genre de propos de complotistes, d'autant que c'est des individus comme Trump aux États-Unis surfent sur ce genre de choses dans leur propre intérêt financier, bien sûr, comme tout maniaque qui se respecte. Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Est-ce que la fraude électorale serait un mythe dans notre pays, pour qu'on traite les gens de complotistes ? Eh bien non, de longue date, des hommes, des groupes ont cherché à se faire élire ou faire élire un des leurs, ont cherché à accaparer le pouvoir à leur profit, au détriment de la volonté populaire. Déjà, il faut qu'on s'entende sur ce que veut dire fraude électorale. Fraude électorale, c'est la violation des règles d'un système d'élection en place, c'est-à-dire c'est frauder la loi telle qu'elle est aujourd'hui. Après, si les règles, elles sont injustes, inadaptées, etc., c'est une autre question, mais ce n'est pas une question de fraude. Cela pose le besoin de changer les règles, comme les Gilets jaunes y ont réfléchi, ce dont tu parlais tout à l'heure. Donc on va en rester sur la fraude. Il se trouve que notre système électoral permet de limiter les possibilités de fraude par le contrôle citoyen. Il est donc peut-être temps que les citoyens s'en préoccupent à nouveau. Et je dis bien à nouveau parce que les générations précédentes n'étaient pas dupes et contrôlaient tout le temps les opérations de vote. Ils étaient présents partout. Et donc, on utilise les moyens qu'ils ont à leur disposition et qui sont importants quand même dans notre pays par rapport à d'autres pays. Alors, quels sont ces moyens ? Eh bien, par exemple, savez-vous que vous pouvez assister à l'ensemble du déroulement des opérations de vote et veiller à ce que les choses se passent bien ? Savez-vous que votre présence au dépouillement vous permet de veiller à ce que tout se passe normalement et que les résultats sont bien ceux qui seront publiés ensuite par la préfecture et par le ministère de l'Intérieur ? Les bureaux de vote sont organisés par la loi et comportent plusieurs rôles. Certains doivent être tenus par les élus, président du bureau de vote par exemple. La plupart des autres rôles sont tenus par des citoyens. Ces citoyens, ils peuvent être assesseurs, délégués, scrutateurs. L'assesseur, il est chargé notamment de faire signer les électeurs sur la liste d'émargement et d'estampiller la carte électorale. Donc c'est pas rien comme suivi quand même, ça permet de contrôler certaines choses. Le délégué, lui, il est mandaté par les listes de candidats ou l'organisation politique qui a des candidats. Et il a un rôle d'observation sur un ou plusieurs bureaux de vote pour vérifier que tout se passe bien. Il a en charge de consigner et transmettre les anomalies qu'il peut constater. Pour ce qui est du scrutateur, donc les scrutateurs, ils effectuent le dépouillement des votes. Hein, c'est ceux qui sont sur les tables à la fin et qui ouvrent les enveloppes, lisent les textes, etc. Là, c'est ouvert à tout citoyen de pouvoir y participer. Il suffit, le jour du vote, de manifester son intention de vouloir en être. Donc, vous le signalez au bureau de vote et vous pouvez être parmi les scrutateurs le soir à la fin. Ce sont des électeurs de la commune qui sont présents donc sur place et qui savent lire et écrire, hein, bien évidemment. Soit ils sont désignés par les candidats, hein, soit voilà, c'est le président du bureau de vote qui, parmi les citoyens présents, en désigne parmi des volontaires.
Et n'hésitez pas à vous proposer comme assesseur ou scrutateur, contactez votre mairie directement ou proposez de l'être pour le compte de l'organisation politique qui présente un candidat de votre choix. Les assesseurs désignés par les organisations sont prioritaires et c'est que s'il en manque ensuite qu'on fait appel aux citoyens, mais c'est souvent qu'il en manque. Hein. Voilà, plus il y a de personnes diverses dans un bureau de vote, plus les éventuels fraudeurs seront empêchés. Dominique, quel type de fraude on peut surveiller ? Alors, les exemples de fraude qu'on peut surveiller et éviter lorsqu'on est présent, c'est notamment, bon, alors toutes les règles qui sont prévues pour tout ça, c'est les personnes qu'on constate et qui sont radiées des listes électorales, alors que ce n'était, voilà, sont même pas au courant, souvent, elles débarquent. Des personnes qui sont sur les listes, mais qui n'ont pas y être parce qu'elles sont décédées, ou on sait qu'elles font, elles sont doublement inscrites, ou des choses comme ça, ça, ça arrive. Notamment, il y a eu des affaires célèbres de Tibéri à Paris autour de questions comme ça. Donc, pas des moindres, hein, puisque c'était le RPR quand même, hein, qui trichait massivement sur ces questions-là, des électeurs dont on accepte le vote sans qu'ils présentent de pièces d'identité, etc., etc., plein de choses comme ça. Et donc, pour conclure, que faire ? Vous êtes témoin d'une anomalie, d'une fraude, vous pouvez intervenir immédiatement en inscrivant sur le cahier de bord du bureau de vote vos observations sur ce que vous avez constaté, en demandant aux personnes présentes de respecter telle ou telle règle. Si vous voyez quelque chose qui se passe mal, vous intervenez directement. En faisant intervenir le juge dans la journée, hein, il y a un juge de permanence toute la journée des opérations de vote qui peut intervenir à la demande. Soit même il débarque dans le bureau de vote pour vérifier, soit il faut que les personnes concernées y aillent. Voilà, il y a plein de possibilités. Allez vous renseigner sur Internet. Ne laissez pas les mains libres à qui que ce soit. Soyez le la citoyenne qui surveille que ses droits sont bien respectés. Merci Dominique. Donc nous passons au lutte en cours. Hein. Nous savons donc que l'Association pour la sauvegarde du plateau du Gras avait organisé mardi dernier un rassemblement à Vaisseau à l'occasion de la réunion du conseil communautaire de la communauté du bassin d'Aubenas. C'était pour réaffirmer l'opposition à la troisième centrale à bitume installée sur la commune de La Bildieu. Nous allons entendre un premier témoignage d'un des membres pour nous informer sur la procédure engagée devant le tribunal administratif. Après donc, une mobilisation citoyenne hein, qui avait eu lieu donc, en août 2020, hein, donc il y a presque 2 ans maintenant, et donc le recours a été engagé donc, au printemps 2021, donc ça fait 1 an. Pour l'instant, donc, il y a un aller-retour entre les arguments de l'entreprise et les nôtres. Hein, et donc pour l'instant, on n'a pas de date quant au jugement. Mais l'action d'aujourd'hui, en fait, c'est un peu alerté. C'est-à-dire que quand il y a eu le début de la procédure, en fait, le collectif citoyen qui s'était mobilisé avait demandé à être reçu par les élus. À La Ville-Dieu, ça n'avait pas été possible, puisqu'en fait, les communes limitrophes et La Ville-Dieu devaient rendre un avis facultatif. Hein. La ville d'Aubenas avait prévu prendre une disposition, enfin faire voter donc le fait qu'ils soutenaient donc ce projet. Finalement, après avoir été interpellés, ils ont fait marche arrière. Il y a eu une séance du conseil municipal qui avait décidé de suspendre en fait l'avis de la mairie d'Aubenas. Et par ailleurs, il y a des communes qui n'ont pas donné d'avis. Nous allons entendre un second témoignage d'un autre membre de cette association nous rappeler sous le risque réel des sources souterraines du Sud-Ardèche, de la flore et faune environnement. On avait invité un hydrogéologue, Thierry Marchand, qui avait bien exposé la situation géologique de la zone industrielle et qui disait que sur La Ville-Dieu notamment, ainsi que d'autres communes, en bétonnant tout devant les maisons, la moindre petite route, et ça fait que quand il y a des épisodes cévenols énormes, l'eau doit sortir à un moment donné de la terre. Elle s'infiltre, à un moment donné elle ressort, et elle ne peut pas ressortir là où il y a le bitume, elle va ressortir là où il y a de la terre parce qu'elle n'a pas assez d'endroits pour ressortir. Et elle n'a pas aussi assez d'endroits où s'infiltrer, et du coup elle va raviner jusqu'à trouver un endroit où elle va s'engouffrer. L'autre chose aussi concernant la troisième centrale à bitume à La Ville-Dieu, hein, il y a déjà une centrale à chaud, une centrale à froid, une deuxième centrale à chaud. On peut vraiment se poser la question en Sud-Ardèche de cette utilité. Donc sachant que la première usine à chaud a été créée dans les
les années 80. Donc peut-être qu'il faut réfléchir à la supprimer pour ensuite éventuellement remettre une autre, je ne sais pas. Mais il faut réfléchir à ne pas mettre 3 usines à bitume sur un territoire petit comme le Sud-Ardèche. Et l'autre chose, c'était que du coup, cette troisième centrale à bitume fait partie de la carte des grands projets inutiles et polluants de reporters et a été sélectionnée par le cabinet BEL qui a fait une étude pour l'association Terre de Lutte, où en fait ils ont pris une soixantaine de projets, dont la zone industrielle de la Ville-Dieu, et ils ont analysé ces projets pour voir si ce projet-là, qui est mis sur un point local du territoire français, s'il était reproduit à différents endroits du territoire, est-ce que ça correspond aux objectifs écologiques que se fixe le gouvernement ? Eh bien non, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on veut vraiment désartificialiser les sols, eh bien il faut se poser d'autres questions. C'est-à-dire que est-ce que toutes les routes doivent être accessibles en voiture ? C'est une grande question en Ardèche, mais ça veut dire que est-ce qu'à un endroit, on privilégie le vélo ? Et si on privilégie le vélo, mais en mettant du goudron, ça ne marche pas non plus. Donc il faut, voilà. Donc en fait, c'est ce débat-là qu'il faut avoir, parce qu'on parle d'urgence climatique, et à un moment donné, on va se le prendre en pleine figure. Et cette troisième centrale à bitume est un petit épiphénomène au sein du territoire ardéchois. Et c'est pour ça qu'on se bat contre cette troisième centrale à bitume. Okay. Dominique, tu vas nous parler des autres luttes en cours. Oui, ben, la dernière fois, donc il y a 15 jours, nous avions parlé d'une mobilisation qui devait se dérouler à l'Argentière autour de la décision même qui était prise, annoncée, de fermer une classe du collège. Et donc enseignants, parents et population, voire même des collégiens, étaient présents lors de la manifestation qui s'est déroulée à l'Argentière le mardi 24 mai. Beaucoup d'interventions pour attirer notre attention sur les risques que faisait courir cette fermeture de classe, c'est-à-dire que, vu que c'était un petit collège, ce qu'ils nous ont expliqué de façon très précise et très claire, c'est que, de fait, supprimer une classe, supprimer un prof, ne serait-ce qu'un prof, comme c'est prévu, ça bouleverse complètement l'équilibre et ça va amener immanquablement d'autres départs et d'autres fermetures. Voilà. Donc il y a un vrai, vrai gros risque sur l'Argentière. On a vu que tous les élus, enfin tous les élus et candidats ou candidats étaient présents sur place. C'est la saison, on se montre dans les manifestations. Mais du coup, ils ont fini par être reçus en sous-préfecture. Ça a été très long, voilà. Et pour lui remettre une lettre du collectif, donc de mobiliser à l'attention du préfet. Voilà. Donc à suivre, on verra bien ce qui se passe. Mais c'est vrai que ce projet signe la mort du collège de l'Argentière s'il se réalise. Une autre mobilisation à laquelle nous avons eu l'information, c'était donc hier et avant-hier, il y avait 2 journées de grève nationale des travailleurs sociaux et médico-sociaux. Et localement, ça a eu un écho particulier quand même, puisqu'il y a plusieurs mesures qui ont été prises par le département localement, qui vont encore plus loin que des choses qui ont été faites par ailleurs et nationalement. On a souvenir, il y a quelque temps, on avait parlé des éducateurs de prévention qui étaient mobilisés localement. Et là, c'est donc plus globalement l'ensemble des travailleurs médico-sociaux et sociaux du département qui étaient mobilisés. Il y avait une manifestation, un rassemblement devant l'hôtel du département à Privas mardi pour protester contre les choses prévues. Mardi matin, il y avait aussi un rassemblement, je crois qu'il a été très nombreux, 150 personnes au Teil, parce que le département a prévu de déplacer le centre médico-social du Teil dans une autre commune bien plus loin, ce qui fait que les usagers, ils sont 80% de Teillois, n'ont plus l'accessibilité qui était possible. Et hier, il y avait un pique-nique à l'Agora, organisé par les travailleurs sociaux aussi, pour parler et échanger sur leur lutte. Ils nous annoncent que le mardi 14 juin à 18h, il y aura un temps de rencontre à la bobine, convivial, de discussion, d'explication de lutte et de musique et de repas partagés. Voilà. Très bien. Merci, Dominique. Donc, une conclusion. Prochaine émission dans 15 jours. Nous vous rappelons le mail pour vos réactions, infos, suggestions. Parole des citoyens au singulier, @fréquence7.net. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con.